Brussels-Haus, Berlin. Le matin, nous sommes allés au Checkpoint Charlie. Il tient son nom de l'alphabet militaire Alpha Bravo Charlie. Il servait comme poste de frontière et de point de vérification entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Nous avons visité Potsdamer Platz. Cette place a été faite à proximité du mur qui séparait l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Pour créer la place, des entreprises ont créé leur quartier. Sur cette place se trouve le plus ancien feu de circulation d'Europe. Il a été installé en 1925. Nous avons également visité le mémorial de la résistance allemande. On a entendu parler de 4 groupes de résistants, tous âgés entre 15 et 22 ans. Bonjour, ici Mathieu et Ethan. Pour le Petit Corot TV, ici nous sommes au Bender Block, qui est le commandement du centre des armées. Aujourd'hui, c'est le mémorial de la résistance allemande. Et c'est aussi ici qu'a été fomenté l'attentat du 20 juillet 1944 contre Hitler. L'après-midi, nous sommes allés voir l'église cassée. Son nom lui vient de l'état dans lequel les Anglais l'ont laissée pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle n'a été ni démolie, ni reconstruite. Elle a été construite en 1895. Nous nous sommes baladés sur la Kurfürstendamm, l'équivalent des Champs-Élysées. Elle était le cœur de Berlin-Ouest. On y retrouve de grands magasins que l'on peut souvent retrouver dans d'autres pays. Pour terminer la journée, nous sommes allés à Alexanderplatz, qui est le symbole de l'ancienne Allemagne de l'Est. C'est sur cette place que 1 million de manifestants se sont rassemblés le 4 novembre 1989 pour exiger des réformes en RDA. Cette place était également un marché aux bestiaux. Actuellement, sur cette place, se trouve un marché de Pâques. Tchuss.